On va tracer l'arrondi intérieur. Donc là, on a 22 cm. On a une flèche ici de 1,50 m de long. Donc on prend une pointe sèche. Vous avez une pointe ou pas? Non. T'as pas de pointe. C'est mieux d'avoir une pointe. Voilà, tu attaches ton crayon au bout du cordeau. Donc on va se reconstituer un compas en fait. Donc vu qu'on a là ici un rayon assez élevé, on prend un cordeau, on prend un crayon et au bout on va mettre une pointe au niveau de notre point de centre qui est ici là, à 1,50 m plus loin que là. Voilà, et on va pouvoir tracer donc là ici cet arc qui sera parallèle. Je me mets là. Ah oui. Mais là, ça va bouger comme ça. Hein. Ah oui. Faut tourner là. Sinon, ça va tout le temps bouger. Voilà. Mais pourquoi vous avez pris double corne? Ouais, salut. Bon. T'as ta pointe? Ouais. Fais un tour au niveau de ta pointe. Tourne. Voilà. Mets-toi bon au point de centre. Voilà. Toi. Mais là, dégoût, non? Mets-toi bon ici. Là, ici. Vas-y, fais encore des trous. Fais des tours. Des trous. Mets-toi bon déjà, Madou, là. T'es bon là? Oui. Attends. Tiens. Pourquoi tu prends ça? Pour faire quoi? Tendre. Faites tendre les jeunes. Hein. C'est pas tendu là. Fais un tour, Luciani. Fais un tour autour de ta pointe. Quand vous êtes bon. Les gars, faut vous mettre d'accord. Toi aussi, faut tendre. Il n'y a pas que Luciani. Hein. Faut tendre tous les deux. Hein. C'est dur de tendre. Ah bah ouais, mais. Ça merde. Ouais, tiens. Ah, c'est un métier. Là. Allez, c'est bon. Dites-en. Là. Allez, on bouge plus. Allez, la même tension dans la corde. Il y a un souci là. Il y a un souci les jeunes. Ah ouais. Là, on va atterrir à 40 cm. On n'est pas parallèle. Ton panneau, il n'est pas parallèle. Il y a un problème, Houston. Là, on est à 22. Et là-bas, on va finir. On est déjà à 35 ici. Là.